Sur cet ongle, nous allons refaire le dessin. La cliente a cet ongle depuis 2 semaines, donc l'ongle est prêt pour un remplissage et le dessin sera complètement changé. Commencez par repousser les cuticules. Et n'oubliez pas de gratter les peaux qui adhèrent à l'ongle. Maintenant, avec la lime électrique, diminuez l'épaisseur de l'ongle. Ensuite, vous allez devoir limer à la main autour des cuticules pour retirer les démarcations. Vous pouvez voir que la plupart du dessin est retiré. S'il y a quelques parties qui restent, ce n'est pas un problème, surtout si le nouveau dessin que vous mettez par-dessus est plus foncé ou recouvre les parties restantes. Enlevez la poussière et n'oubliez pas d'attraper cette poussière dans une serviette. Utilisez un déshydratant seulement sur l'ongle naturel. Et du primer, seulement sur l'ongle naturel aussi. Maintenant, vous allez faire un simple effet marbré avec du noir, blanc et argenté. Alors, prenez les 3 produits en même temps, 4 minutes 25. Trempez votre pinceau dans le blanc en premier, ensuite le noir, puis l'argenté pailleté. Déposez sur l'ongle. Bougez l'ensemble des couleurs un peu pour que ça commence à faire l'effet marbré, puis appuyez pour mettre en place. Ne mélangez pas trop, sinon ça va finir entièrement gris. Faites dégrader le sourire un peu vers le bas.
puis rajouter un peu de paillettes argentées par-dessus le sourire. Et étirer vers les cuticules. Utilisez le plat de votre pinceau pour appuyer un peu afin d'éliminer les irrégularités. Mais attendez que le gel soit mat. Si vous le faites trop tôt, les couleurs se mélangeront pour faire du gris. Évitez de brosser le gel. Maintenant, recouvrez tout l'ongle avec le gel de construction rose. Et n'oubliez pas, quand vous faites la zone 3, de tenir l'ongle vers le bas pour que le gel ne coule pas vers les cuticules. Attendez que ça sèche un peu avant de pincher. Vous pouvez maintenant pincher. Placez votre pince et laissez-la en place quelques minutes. Maintenant, retirez la pince et limez l'ongle. Dépoussiérez, puis appliquez le gel de finition. Et maintenant, catalysez sous la lampe durant 2 minutes. Pour finir, appliquez de l'huile à cuticule. Et voilà, le dessin est refait.